l'espace sûr, c'est un endroit où les femmes se sentent à l'aise pour s'exprimer, partager leurs expériences, parler de ce qui les est arrivé. Je me nomme Espérance Mujinga, je suis sage-femme. Pour la première fois quand ces femmes arrivent, en tout cas, en regardant cette femme, elle pense qu'elle n'a plus d'espoir. Elle va te dire que la nuit, quand je vais au lit, je n'ai pas sommeil. Quand elle reste avec les enfants, donc elle se voit comme si elle ne vit pas parmi les hommes. Il y a les autres qui viennent pour dire, moi j'ai autant d'enfants, qu'est-ce que je peux faire? Mon mari veut toujours que je puisse mettre au monde. Nous aidons ces femmes, nous leur produisons des conseils. Et enfin, pour ces femmes qui adhèrent à la planification familiale, nous leur dirigeons vers les centres de santé appropriés pour recevoir ces méthodes afin de planifier les naissances. Cet espace est vraiment utile et important. Pourquoi? Si vous regardez ces femmes, vous trouvez que ce sont les femmes qui ont vraiment retrouvé leur état initial. La fille qui pensait que comme j'ai déjà mis au monde, je n'ai plus d'importance, vous trouverez que cette fille a changé carrément. Elle s'est trouvée importante, elle commence à se débrouiller. Les autres sont rentrés sur le bas de l'école, elles ont commencé à étudier. J'ai un enfant de 2 ans et demi. J'avais 19 ans qu'on m'avait engrossé. Maintenant, les mecs avaient fui. Je suis restée chez nous. Comme j'ai commencé à venir à la CPN avec l'enfant, l'idée de là m'a envoyée ici. Part aussi suivre les conseils à l'espace sûr. On m'a appris comment oublier le passé, reprendre la vie, comment travailler pour aider l'enfant que j'ai, éviter d'avoir des grossesses comme ça. Maintenant, je gagne l'argent, je donne même à ma mère. Je suis fière de ça. À travers les animations que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de récupérer ces femmes psychologiquement, socio-économiquement et sur tous ces plans-là. Ça me donne la joie parce que ces femmes sont en vie et sont redevenues dans leur état initial. Voilà un peu ce qui fait plus la joie et ce que je suis en train de faire.